Passons au sport maintenant. Avant le tennis, deux très belles compétitions. D'abord, les 24 heures du Mans Automobile remportées par Mercedes, dont c'était le grand retour. Francis Marotto. Le Mans, samedi, 16h, 55 voitures au départ pour une triangulaire, Mercedes, Jaguar, Porsche. Après un chassé-croisé durant les premières heures de course et la nuit, Mercedes, épargnée par les incidents, mène la ronde. Mais les incidents, regardez. Un bout de gomme par terre, la raison, eh bien tout simplement, Pescarolo éclate à l'arrière gauche à 300 km/h dans les Hunaudières. L'américain Dobson, voiture en flamme, mais heureusement, il sort indemne. Indemne aussi le japonais Takahashi. Et puis le grand frisson du français Pessio au volant de sa Peugeot WM. Grosse frayeur, mais plus de crainte, en revanche, pour les Mercedes, vainqueurs avec Jochen Mass premier et avec Baldi deuxième. Enfin, troisième, la Porsche de Bob Vollet.